Makoso est créole en relation amoureuse. La chanteuse gabonaise créole a enfin tout dit sur sa relation avec le général Makoso. Tout a démarré, bien sûr, après le passage de la diva gabonaise sur l'émission plus polémique il y a quelques mois. Et après l'émission, Makoso a effectué une grosse sortie, bien sûr, sur sa page Facebook pour exprimer ses sentiments à l'endroit de la fille de Makaya. C'est depuis ce jour-là que l'histoire entre Makoso et créole a véritablement démarré. On se demande si les deux entretiennent vraiment une relation. On se demande si relation amoureuse il y a entre les deux, bien sûr. Et vous voyez, par rapport à cela, lors de son passage sur l'émission Showbuzz ce 16 novembre 2021, l'artiste gabonaise créole a éclairci la lanterne de tous sur ses rapports avec le général Makoso. Et même si créole n'a pas été beaucoup plus explicite, ses propos laissent entrevoir une véritable complicité entre les deux acteurs du showbiz. Et invité, bien sûr, à dire la vérité sur sa relation avec Makoso, créole affirme ceci. Vous savez, le général Makoso, j'ai envie de dire, mon mari traverse une situation compliquée en ce moment. Il a perdu, bien sûr, sa femme, une personne importante dans sa vie. Donc, il ne sert à rien, bien sûr, de brutaliser les choses, de précipiter les choses. Et en tant que femme, je dis clairement ce que je pense. C'est un homme qui me plaît beaucoup. Et il me plaît dans le sens que c'est un homme qui, bien sûr, plaît à n'importe quelle femme. Et j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde voudrait voir, bien sûr, une relation Makoso et créole. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans ma carrière. Il a fait beaucoup en ce sens qu'il est en train de me donner une visibilité par rapport à ma carrière internationale. Tels sont les propos, bien sûr, de créole. Et que c'est Makoso qui a même organisé un featuring entre elle et le griot Mandingue, bien sûr, Sidiki Diabaté, le prince de la Kora. Et que Makoso est encore à la baguette pour beaucoup plus de collaborations, qu'il y a d'autres collaborations que Makoso est en train de négocier pour elle. Et que, bon, vous voyez, cet après-midi, Makoso aussi a fait une grosse déclaration sur sa page. Cet après-midi, le général est allé encore plus loin sur sa page Facebook et déclare ouvertement sa flamme à créole. Bien sûr, le général dit ceci: ta présence dans ma vie est comme un doux parfum matinal qui m'a redonné goût à la vie et croit à l'être humain. Loin des écrans, tu es une amie, la seule qui arrive à me dire stop. Tu es la seule qui sait me comprendre et apaiser. Tu parais une femme vulgaire, mais tu es tellement naturelle que souvent je me demande si je mérite tant d'amour. Merci pour ta présence dans ma vie, bébé. Tels sont bien sûr les propos du général Camille Makoso. Il a fait une publication sur sa page. Bon, chers abonnés, quelle idée faites-vous, bien sûr, de cette relation entre créole et Makoso? Partagez votre avis en commentaire avec nous et on essaiera d'en débattre, bien sûr.